C'est parce que je pense qu'il faudrait qu'on te parle sur Facebook pour que tu écoutes. Moi, je t'apprécie beaucoup. Tu es une petite fille qui se bat bien. Mais j'aimerais te dire, ne néglige plus ta mère. C'est pas normal qu'elle envoie les voices à tout le monde pour se plaindre. C'est pas normal. Je sais pas si Facebook te rapporte pas, va travailler pour ta mère. Tu as dit que tu étais venue en Europe pour ta grand-mère et tout. Mais ta grand-mère n'est plus, ta mère vit. Personne ne peut remplacer ta mère. Personne ne peut remplacer ta mère. Moi, ça me fait mal. Parce que depuis hier, elle me laisse les voix. Elle a laissé à Compression aussi beaucoup de voix. Compression ne répond pas. Compression est peut-être occupée, elle prépare son voyage au Cameroun. Elle m'a même dit qu'elle voulait le numéro de maman Lily. Ça fait mal quand on l'entend parler, Nicole. Ça fait très mal. Il faut que tu comprennes que ta mère, c'est ta mère. Personne ne peut remplacer ta mère. Quel que soit ce qu'elle t'a fait, quel que soit ce qu'elle est, c'est ta mère. Regarde comment je m'occupe de la mienne. Regarde comment j'ai conçu la maison. Ma mère ne vit même pas là-bas. Je suis seulement allée rénover. J'ai conçu depuis 2005. Mais je suis seulement allée arranger encore. Elle était déjà très belle. Nicole, occupe-toi de ta mère. Tu veux qu'on te parle comment? Si Facebook ne te rapporte pas, va travailler. Ce n'est pas ta mère. Attends, je mets un peu les voix. On va écouter si ce n'est pas ta mère. Elle m'a laissé beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup de messages. Vraiment beaucoup de voix. Attends, mère Nicole Ketcha. Mère, maman Nicole. La maman de Nicole, tu ne peux pas dire que ce n'est pas elle. Si tu dis que ce n'est pas elle, ça veut dire que ta mère c'est une menteuse alors. Sans vouloir la manquer le respect. La mère, j'avais dit, mais, oh maman, attends. Je vais mettre, tu vas me dire si tu reconnais la voix ou pas. Puisque tu dis que ce n'est pas elle. C'est incroyable. Regarde tous les voix qu'elle m'a laissées. Tu sais combien elle voix. Regarde tout ça là. Tout ça. C'est qu'elle m'a laissé. Je vais un peu laisser. Je te fais écouter. Je ne vais pas faire écouter tout aux gens. Il faut que tu ailles travailler pour soutenir ta mère. Parce que ça fait mal. Je vais faire écouter. Tu vas me dire c'est elle ou pas. Elle est même en ligne. Là. Je lui ai dit que j'allais te laisser. J'allais faire sur Internet. Non, je veux savoir. Je mets seulement un. Juste une voix où elle ne parle pas que j'ai de mauvais. Je veux juste savoir si c'est sa mère ou pas. Dans la maison, sans douche, dans la bouche. Ok. Allô, ma fille, c'est comment? Mon mère, j'espère qu'elle va un peu. Avec tous les soins que tu fais, c'est beaucoup de courage. Maman, si tu peux me donner aussi le nom de maman Lily. Je souffre, je t'ai appelé le matin, c'est sûr que tu dormais. Maman, réponds-moi, aidez-moi. Aidez-moi, maman, pardon. Je dors sur le train dans la chambre. Ok. Aidez-moi. Oui, bien sûr. Et on continue pas. Non. Je veux juste. Elle a dit que ce n'est pas sa mère. Non, elle a dit que c'est. Je lui ai dit. J'ai parlé, elle a dit que ce n'est pas elle. Je veux qu'elle comprenne. Je n'ai même pas mis là où c'est. Non, écoute, elle dit que ce n'est pas sa mère. J'ai juste mis pour tester qu'elle me dise si c'est elle ou pas. Est-ce que c'est elle? Si c'est elle, il faudrait que tu l'appelles aujourd'hui et lui dis. Quel que soit ce que tu as comme elle, comme problème, elle ne doit plus contacter les gens qui sont sur Facebook. Elle ne doit plus contacter les gens sur Facebook. Parce que tu es son enfant. Ma. Ma, chaque minute, tu m'appelles, tu m'appelles. Maman, pardon, je t'en supplie.
Elle m'a envoyé les vidéos de la maison où elle dort. Nicole, pardon, il faut l'aider. Tu sais, elle dit qu'il faut qu'on l'aide. Moi, j'ai mes problèmes. Moi, je suis en chantier. Je ne peux pas me lever là. Elle me suit. Je lui ai dit que je vais te parler ici. Elle m'a donné le numéro de maman Lily. Elle dit qu'elle a laissé beaucoup de messages au compresseur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez la dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je suis en train de dire à Nicole qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle pour que elle ne vienne plus déranger. Sincèrement. Sincèrement, si on peut parler comme ça, ça te fait peut-être... Elle dit que depuis la dernière fois, là, le dernier direct que tu avais fait chez Compresso avec elle, que tu ne l'as plus jamais appelée. Que tu ne l'as plus jamais appelée, il faut que tu l'appelles. On ne peut pas remplacer sa mère par quelqu'un. Elle m'a laissé un autre voice. Elle dit que tu allais donner 400 000 à tes nièces, mais à elle, tu lui donnes 50 euros par mois. Oui, c'est que vous reprochez à Dorcas. Je suis en train de dire pour que Nicole comprenne. Parce que Nicole doit comprendre où elle lui parle. Et il y a une chose que vous devez comprendre. Je vais dire, certaines personnes vont se fâcher. Certaines mamans bagantées sont terribles. Certaines mamans bagantées sont terribles. Une maman ne peut pas saboter son propre enfant. J'ai eu une situation comme ça il y a longtemps. J'ai une copine à l'époque qui vivait à Dunkerque. Elle est bagantée. Elle vit à Dunkerque. À l'époque, quand je suis venue, après le cas qu'elle m'a bien avec. Elle est qu'elle m'a avec. Oh oui. Oui, allô?